L'avenir, je le vois avec des jeunes qui continuent de défendre leurs droits collectivement, qui, je crois, depuis quelques semaines, ont pris conscience que c'est en étant, non pas les uns contre les autres, mais ensemble, qu'on arrivait à se faire respecter, y compris sur le marché du travail. Et d'ailleurs, ensuite, ce que j'espère, c'est que cette mobilisation, justement, elle nous permettra d'être respectés sur le marché du travail. Ça veut dire un code du travail avec des droits, et ça veut dire surtout des jeunes qui ont beaucoup de choses à apporter à la société, qui veulent coopérer plutôt que d'être en concurrence, qui veulent être solidaires plutôt que d'être précaires, qui veulent réinventer aussi la façon de travailler et qui aimeraient bien avoir un peu plus de place dans la société, réussir à changer la société à leur façon plutôt que de se faire marcher dessus et de se voir imposer la précarité.